Ah, il faut que j'arrête de... Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Faut que je mette mes... Ah, j'ai pas pensé à vérifier le coup du bug. Non, là j'entends tout en... J'aime bien les deux canaux. Ça avait sauté hier. Ouais, aucun peu de chance, il n'y aura pas d'écho. Bizarre. Attendez, pardon, je vérifie 2-3 trucs rapidement. Parce que... Je suis en train de me faire un peu flipper, vous savez, sur la technique, les retours de paramètres. Mais apparemment, c'est bon, je serais en train de diffuser, en fait. Donc, tout va bien. Ok. Oh, je vais mettre la fenêtre de contrôle là. Normalement. Bah, je peux lancer la course. Eh oui, que je puisse interagir avec mon public favori. Bon, bah, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Ça va être la dernière grosse journée, et encore un peu écourtée, je m'arrête à 18h. La dernière grosse journée de la grande semaine de folie d'inauguration de la chaîne depuis le 1er janvier, où je faisais matin et après-midi quasiment non-stop. Et puis, bah, reprise de taf pour moi demain. Donc, du coup, on se retrouve avec les week-ends. C'est la vie, mais extraordinaire. Ce que j'ai vécu en une semaine, waouh! J'aurais fait le plein d'ombres positives grâce à vous, merci beaucoup. Je l'ai déjà dit et je le redis, je vis un rêve. C'est génial. Là, j'ai le meilleur, j'ai envie de dire, de la plateforme Twitch. C'est partager des bons moments avec des copains, et puis d'autres arrivent anonymes, on finit par faire connaissance, on papote. On partage de bons moments et c'est génial. Bonjour Olive Kitu, j'espère que tu vas bien. Donc je te laisse deviner hein, quand tu prendras ton direct, si tu es à l'antenne aux environs de 13h, et encore je vais entre midi et 13h, tu penses bien que je me ferai une joie de te faire un relais d'antenne. Eh oui, c'était l'avalanche de Patou. Là, je me fais une petite course hors carrière pour m'échauffer ce matin. Course de camion façon Paris-Dakar. C'est sympa comme on va dire mise en jeu. Tu fais bien de le dire. Bonjour SDR, j'espère que tu vas bien ce dimanche matin. Alors, le son de la console serait trop fort. Oh, tu m'étonnes. Le son de la console est même plus faible que d'habitude. Attends voir. Ah, tu m'étonnes. Bon, bah, je peux baisser encore un peu. Mais ça m'épate. Voilà. Là, comme ça devrait être bien. Ouais, posé en fin de matinée. Ok. Ouais, bah je te ferai part de mes spectateurs. À cyber-spectateurs, comme j'aime les appeler. J'arrêterai aux environs de midi et demi pour ce qui est de ma matinée. Moi, je me ferai du Minecraft. Je diffuserai donc en ligne. 14h-18h et l'après-midi je réserve mon relais de chaîne à l'ami Bambastos qui a fait une belle gaffe d'ailleurs hier puisqu'il a laissé tourner son direct alors qu'il avait quitté sa pièce. Il a mal programmé sa fin de diffusion
Il a été adorable, il m'a fait un relais de chaîne. Mais moi, quand j'ai fait un moment que j'ai coupé mon signal, que j'ai fait relais de chaîne à fond de fan, lui de son côté, ça a repris le direct. Donc en fait, on voyait sa pièce d'où il diffuse habituellement, bon, dans l'obscurité, parce qu'il l'avait quittée. Mais il y avait la webcam qui filmait encore, donc on voyait un siège vide avec un jeu de lumière chez lui. Donc, goops. Sacré Van Bastos. Il est bien nickel impact, c'est cool. Ah oui, déjà 9h du mat. Oh là là. Collision de camion. Tiens, alors, les plus observateurs d'entre vous ont remarqué, ce matin j'ai eu le temps de mettre en place un compte à rebours en haut à droite concernant le tableau mystère. J'avais émis l'idée spontanément hier en me disant, tiens, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés de juste suivre le tableau mystère sur ma chaîne pour essayer de deviner donc, hein, les jeux dans le photomontage? Et je comprends parfaitement qu'après le reste ne les intéresse pas spécialement, mais que ça leur plaise de temps à autre de jouer à mon jeu. Donc je dis tiens, je vais mettre un petit chrono en place, et c'est chose faite. J'ai trouvé un petit programme libre qui permet de faire un compte à rebours à partir d'une heure posée dans le calendrier. Hop là, le montage a été fait en une demi-heure chrono ce matin. Donc c'est bien, vous avez cette nouvelle fonctionnalité. Ceux qui se posent la question, c'est quand le tableau mystère, bah voilà, en haut à droite, hop, réponse. Alors, prochaine fonctionnalité pour surcharger mon écran, j'annoncerai la météo. Le truc totalement inutile. Ouais, faut que je fasse gaffe de pas trop surcharger l'écran, mais bon. Mais ça va encore, c'est correct. Ou le camion qui part de Traviole. Oh là là! Là pour le coup c'est pas moi. Je l'ai pas touché, je l'ai pas déstabilisé. Ah alors là l'effet tremplin il est vicieux sur ce tracé. Alors le problème, c'est de se placer pour doubler et trouver la portion de tracé opportune pour le faire sans accrochage de manière propre. Ben, c'est pas évident. Là, je suis presque à l'opportunisme, c'est-à-dire que j'attends qu'il faute devant moi pour passer, pour me glisser dans la bonne trajectoire. Là, je coupe, là c'est pas un réglo là ce que j'ai fait. J'ai quand même mis les 4 roues hors. C'est discutable. Même si c'est du rally ride, symboliquement là j'aurais dû par exemple essayer de garder 2 roues sur le gravier. Rémi Godet. J'aime bien le nom du pilote. Serait-ce un duel franco-français à la tête de ce rallye raid? C'est possible.
Là, je me rattrape. Non, double. Là-bas. Mal l'entraînement ce matin, c'est un bon entraînement ça, c'est bien. Vache. À l'arrière. Voilà. Et droite 5, vers gauche 5. 150 sauts et crête gauche 5. Vache. Oh! Alors j'ai mis 3 tours, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième. C'est fini, je crois. Ouais, c'est fini. T'as été super, on a été super, bien joué. Waouh! Sympa! C'était très équilibré comme course. C'était bien un Français. Mais au final, c'est le Mexicain qui gagne la course. Il y a pas mal de Français, c'est rigolo, le tirage de la course aléatoire. Il y a des bizarreries comme ça. Allez, je vais me relancer dans ma carrière. C'est là où, évidemment, le challenge est le plus relevé. Est-ce qu'il y a des trucs déjà tout en bas que j'avais pas maîtrisé? Oui. Oui. Attendez voir que je retourne tout en bas. Oh là là, oui. Oh, c'est dingue, c'est les rallyes qui me portent préjudice, j'ai envie de dire. C'est dingue ça. Attendez. Allez, on y retourne, Italie. Ah, oh, je vais essayer de gagner quand même. La Peugeot, la Bandai Punto. Non, je garde la Peugeot. Ah. Donc vous voyez, j'avais hésité encore hier entre faire ce matin le jeu là ou WRC2. Puis je me dis WRC2, je suis censé me lancer dans le championnat en difficulté moyenne. Mais je me vois pas y jouer le week-end prochain, puisque je vois pas le week-end prochain, je serai absent. Je diffuserai juste le samedi matin. Bon, entre guillemets, remplir mon contrat d'être présent un peu le week-end. Mais. Donc, du coup, je dis que ce sera plus tard que je débuterai mon championnat de WRC2. J'aime beaucoup le jeu, là, le McRae. Donc, comme je suis dedans, que j'ai l'état d'esprit, comment dire, à chaud en tête, la sensibilité de la manette pour le pilotage, c'est tout bénef, c'est tout pourri. Et cet après-midi, je le rappelle, Minecraft. Va faire bizarre de rallumer mon serveur Minecraft. Là, il était en sommeil pendant quelques jours parce que personne ne se connectait.
Et je vais reprendre le monde que j'ai démarré là. Donc je vais me réapproprier parce que j'ai déjà oublié les trucs. Enfin, bref, je vous expliquerai le cas échéant sur le moment c'est pas mal. Coup de volant, j'allais finir dans le décor. Voilà, j'ai allégé la voiture. J'ai arraché les deux portières. Oh merde! Je voyais le rocher arriver, puis tu sais, j'arrivais plus à tourner avec la Peugeot. Pied du podium. Excellent pilotage, bien joué. C'est cool. C'est bien, on voit le copilote qui est en train de noter. C'est trop bien. On s'y croirait. Ah, pas mal. Alors du coup, ça veut dire que je vais me faire des points, comme je suis dans les 6 premiers. Mais comme j'ai chu au pied du podium, j'aurai pas de fric virtuellement par là. Mais c'est déjà ça. Parce que j'étais à 0 point. Donc je m'améliore. Je vais pas m'en plaindre. Je sais pas c'est quoi qu'on voyait. C'était public en haut ou c'était de la végétation de mon grand. Là j'ai allégé le bolide.
Oh la vache, radical! C'est rigolo de voir la Peugeot en partie désossée. Elle fonctionnait tout aussi bien. Hein. Mais en théorie, sur le papier, j'étais plus léger. J'avais plus d'aérodynamisme, mais bon. La voiture était plus légère, de facto. C'est rigolo. C'est marrant quand je joue à la falaise, je suis toujours, comment dire, ça me rappelle à chaque fois dans un autre simulateur qui est Toka Toka 2. Il y a une course comme ça qui est impressionnante, qui est magnifique. Donc après ça en boucle, sur plusieurs tours. Et il y a une partie comme ça en falaise, c'est beau. Je vous en parlerai le cas échéant parce que j'ai la chance de l'avoir sur PS2. Je ferai, je sais pas quand. On va voir ça dans les mois qui arrivent. Mais un jour, je le ferai sur mon antenne, c'est sûr. C'est obligé. Alors là, c'était l'Italie. Après l'Italie, je crois que j'ai l'Allemagne. J'ai pas réussi et l'Espagne. J'ai pas réussi les prix de rallye. On va voir petit à petit, on va finir par maîtriser les tracés. Ah oui, le coup du rocher. Mais je me fais avoir hein, avec la gâchette de la... Enfin, je vous remonte la bête. Évidemment la direction, c'est avec les grosses gâchettes champignons. Là. C'est pas évident. Il suffit de les fleurer à peine et ça influence dans le jeu, c'est très bien fichu. Mais faut vraiment maîtriser. Alors c'est horrible à dire, mais ce genre de gâchette bien sensible, t'as pas le droit de souffrir d'Alzheimer. Hein. C'est terrible, mais c'est ainsi. Ah, un Espagnol gagne en Italie. Pas d'argent pour toi, mais tu engranges tout de même des points. Voilà, c'est ce que je disais. J'ai compris la logique du jeu. C'est cool, c'est déjà ça. Est-ce que j'essaye de faire mieux au rallye du Japon? Ah, allez, enchaînons les rallyes. Tout de go. Toujours avec la Peugeot. Podium. Ces jaquettes des gars extrêmes, j'en rigole. Ah ouais, je me souvenais pas que j'avais déjà autant de véhicules. Oula,
J'ai roulé sur un truc qui m'a déstabilisé, j'ai pas compris ce que c'était. La perte de contrôle de la Peugeot. Bah là je me suis amélioré là. J'ai engrangé des points dans le rallye d'Italie alors que j'étais à 0 pointé il y a encore un quart d'heure. Et là je suis au Japon. Ouais c'est bien ouais. Le virage était plus avec ça. Que je roule sur les murs, c'est pas Matrix. J'ai encore chu au pied du podium. Oh la vache! Italie tout à l'heure c'était pareil. Je finis quatrième. C'est bizarre, je finis juste au pied du podium à chaque fois. Donc pas de pognon mais des points. Voilà. C'est dingue ça! Un peu délire. Alors, ta question elle est intéressante en fait. Une vanne avec le kappa, mais le coup du bilan en fait, alors ce qu'a fait FunFan hier, c'était génial, j'adore sa formule, mais moi ça va être différent, c'est à dire que j'ai envie de vous le dire, le bilan de 2021, je l'ai déjà fait le 1er janvier à l'inauguration de ma chaîne, parce qu'en fait je vous avais parlé de la phase bêta, je vous avais fait un remerciement à toutes et tous, comme par exemple le DJ Club là qui m'a aidé pour Discord par exemple. Et les 1er janvier, moi je me tiendrai à diffuser tous les 1er janvier. J'espère que je ne serai jamais, comment dire, empêché à diffuser un 1er janvier. Pourquoi? Parce que je me vois faire un direct d'une dizaine d'heures. Là, on a fait 11 heures et quelques minutes le 11 janvier. Hier, je vous remercie par une ligne de vue absolument folle. 3 jours après, j'avais déjà 150 vues sur la vidéo. C'est vraiment internet, ça va très vite. Enfin, bon, bref. Moi, je suis content. C'est-à-dire que j'intrigue à défaut de plaire au niveau contenu. Mais ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à poursuivre. Bref, formule du 1er janvier.
Alors évidemment, du bon temps, on se fait plaisir, on fait plusieurs jeux sur une dizaine d'heures, mais aux pauses repas, déjà la pause déjeuner, je vous diffuserai la compilation des clips de la saison passée, donc ce qu'on appelle en anglais un best-of. Je ferai le point sur la cagnotte de la chaîne, c'est-à-dire tous vos gains cumulés, ce que vous m'aurez cédé gracieusement, c'est-à-dire en abonnement, en Cheers Beat, etc. La tirelire, quoi. On fera le point au niveau du montant et on fera le point de qu'est-ce qu'on en fait. Il y a un troisième point aussi que je voulais faire dans mes bilans au 1er janvier. Je sais plus c'est quoi. Il faut que je me fasse une note, que je l'inscris. Ah bon, noir sur blanc dans mon cahier des charges, dans mon document là. Il y a un troisième point, je sais plus, qui est important, hein, pour la chaîne. Mais moi, c'est le 1er janvier. Et puis le fait d'être ouvert aux questions, j'ai envie de dire plus que d'habitude le 1er janvier. Si vous avez des questions à me soumettre, des idées, je suis preneur. Vous savez que là-dessus, je reste ouvert sur les sujets. Voilà. Non mais n'hésite pas. Même là, hein, dans les faces ouvertes, où je suis dans un ralenti, où je suis posé. Mais il y a aussi la commande, j'oublie de le rappeler. Si vous avez peur de zapper une question à me soumettre, oui, au message privé, oui, bien sûr. Comment je monte sur le mur, c'est impressionnant. Point d'exclamation FAQ pour foire aux questions, suivi de votre question. Ça va dans une autre liste, autre que celle du tableau mystère évidemment, mais c'est le même principe. Où votre question en fait va être enregistrée dans la liste et voilà. J'y répondrai à l'occasion avec plaisir. C'est ça. Là, ce que tu viens de faire, normalement, tu as dû avoir une confirmation Wisebot en privé où il dit votre enregistrement a été pris en compte. C'est ça. Voilà, tu as tout compris. Alors, attendez, je zappe pour la suite, là, dans l'interface. Oui, je ferai aussi un peu d'analyse de statistiques le 1er janvier au niveau de la chaîne. En disant, tiens, on a eu pas mal d'audience à ce Super, tu moment-là. as marqué les points. Les records aussi du clip le plus vu, comme l'a fait Funfan hier sur la sienne. Ou le numéro, l'émission le plus regardée. Et je vous ferai part de mon étonnement. Parce que moi, déjà, les chiffres que j'ai, les premiers chiffres que j'ai, je suis bluffé. Je dis, tiens, c'est ça qui vous intéresse. Pareil, quand vous faites des clips, alors Funfan en premier lieu, il y a des choses qui lui plaisent, qu'il a clippées. Pour moi, je suis surpris, parce que pour moi, c'est des moments qui sont insignifiants. Oui, il y a des trucs que j'en reviens pas. Je me laisse surprendre. Mais c'est ça qui est agréable, hein, dans l'expérience. Et un truc qui me paraît totalement insignifiant, qui pour moi ne valait pas le coup d'être immortalisé, bah, Funfan l'a fait, ou il y a eu le coup de Bambastos une fois. Et j'ai dit, bon, bah, ok, j'intègre dans la compilation, puisque vous, ça vous a marqué. Et moi, ça me semblait enfin commun, quoi. Non, mais c'est. Voilà, ça fait partie des plaisirs liés à la diffusion Twitch, quoi. Et puis d'interagir avec sa communauté. Il y a des trucs, ok, bon, pourquoi pas. C'est rigolo. L'important, c'est d'entretenir l'échange entre nous. C'est le caractère interaction de la plateforme qu'il faut absolument préserver. Sinon, vous regarderiez tout bêtement tout le monde. Merci. Vous regarderiez en fait tout bêtement la télévision, j'ai envie de dire. Quoique maintenant, ils essayent d'avoir des interactivités avec tout ce qui est SMS et Internet à leur tour. Mais bref, vous m'aurez compris. Bien,
Ah, je la maîtrise pas la future. Ah, c'est plus la Peugeot là, donc c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas la même physique. Ah, t'as gagné un poisson, bien. Page mince qui a failli être incontrôlé. On entend les pneus qui crissent. Tenter de manière audacieuse à être en dérapage, mais ça ne réussit pas. Fait avoir de l'autre côté la dernière fois. Enfin, on peut faire mieux que ça. Oui, on peut faire mieux. Oui. T'as eu quoi? T'as eu un Hachigan à grande bouche. Oui, 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 oui. C'est l'idée que j'avais émise hier. Fun m'avait tout de suite confirmé en disant ouais, c'est pas con. Et je me suis affairé ce matin pendant une demi-heure, là, de 7h à 7h30. Enfin, j'aurais pu te dire de... Non, j'ai des bêtises. Je me suis réveillé à 7h30. De 8h à 8h30 à concevoir ça. Oui, merci.
Parce que ce que je disais tout à l'heure, en étant avec Olive à la prise d'antenne, c'est-à-dire que je conçois parfaitement qu'il y en a qui ne soient pas intéressés par mon contenu général, mais qui soient séduits par mon principe du jeu du tableau mystère et qui aimeraient savoir, au lieu de me poser bêtement la question tout le temps dans le chat, ça pourrait arriver, juste jouer au tableau mystère et connaître quand est-ce qu'il va tomber. Alors je dis pourquoi pas, voilà, je mets un compte à rebours, et puis voilà, la question est réglée. Ça joint l'utile à l'agréable. Pardon, je m'étire. D'ailleurs, il faut vraiment que je me programme une lessive à midi, moi. Que la lessive se fasse en économique, là, pour le linge. Bon, j'ai plus de Minecraft pendant 4 heures. Pardon. Oui, puis ça va, ça surcharge pas encore trop l'écran. Je l'ai mise dans la scène là, et puis. Pardon. Et alors, je l'ai pas mis dans le truc sans tête. Ou là où d'ailleurs. Bah, tiens, d'ailleurs, j'ai un truc qui va pas. J'avais pas vu que j'ai une barre qui dépasse. Il faudra que je règle ça. Et je l'ai remis dans la scène plein écran quand je papote avec vous. On le revoit à l'angle. Mince, je voulais peaufiner avec une barre plus longue, je sais plus quel grand titre, et je pensais pas que ça avait une répercussion, j'ai fait un copier-coller. Je pensais pas que ça allait avoir une répercussion sur une autre scène où ça déborde. C'est pas grave, je corrigerai ça comme il est. Oh ce rock. J'arrive pas à lui faire ce rock. Sympa, mais wow. Oh là là, je suis en train de penser à tous les jeux dans lesquels je suis coincé que j'ai fait avec vous là durant cette période, cette semaine folle, merveilleuse, l'inauguration de la chaîne. Il y a Tomb Raider 3. Je suis coincé là avec le coup du siphon piège près de l'avion militaire. Alors Tomb Raider 3. Il y a GIGN. Avec la foutue mission d'entraînement qu'il faut que je passe. Il y a quoi d'autre dans quoi je suis bloqué là dans les jeux que je fais avec vous. Il y a Last Rit, le dernier rite, vous savez, le FPS bien gris, la sombre. Je comprends pas pourquoi j'ai l'aéronef sur le toit que je peux pas joindre. Donc on fait la suite de la mission, c'est bloqué. Je débloque ça. J'ai Killing Time, l'autre FPS, mais qui est vachement bien pensé, je trouve qu'il est vraiment particulier. Sur l'île mystérieuse sur le thème de l'Egypte là, avec la nana qui apparaît parfois en fantôme bleu là, en apparition pour donner des conseils ou des infos. Je suis bloqué là aussi là-dedans. Je fais passer une porte qui s'éclaire quand j'interagis avec, mais elle s'ouvre pas alors qu'une fois que j'ai là, voilà que je résolve le problème. Ouais, les FPS là, effectivement, c'est. Enfin bref. J'y jouerai hors antenne, et puis quand j'aurai passé la partie chiante où je cale le nouveau énigme, bah, je vous diffuserai la suite à l'antenne. Et je crois qu'il y a un cinquième jeu dans lequel je suis bloqué, mais je sais plus lequel. Alors, je parle même pas de Street of Edge, où j'arrive pas dans le premier à regagner contre le méchant. Mais un jour j'y arriverai. Je referai des entraînements devant vous de temps à autre. Je crois qu'il y a encore un autre jeu dans lequel je suis bloqué. Donc voilà. J'ai de quoi faire mes muses en antenne. Et malheureusement, là, à partir de demain, j'aurai beaucoup moins de temps libre. Je sais que FunFan va prendre son antenne demain à 13h, je crois. Je vais même, à mon avis, peiner à faire sa modération. J'espère que ce sera pas trop agité sur son antenne. Parce que entre le déjeuner et le fait de bosser, ça va être chaud moi. En plus qu'il n'est pas impossible que je mette mon nez dehors déjà dès demain. Je vais. Qu'est-ce que je voulais dire? Pareil, si vous avez des idées de chapeau,
je vous avais expliqué que j'ai malheureusement un magasin de farce et attrape qui est en liquidation dans ma ville là, et qui va fermer le rideau fin janvier. Donc il y aura très probablement dans sa boutique des promotions, je présume. Je vais aller le voir la semaine prochaine. Je vais essayer de dégager du temps pour aller le voir. J'ai déjà noté les idées que vous m'avez soumises. Donc un chapeau à la Indiana Jones, un béret, un sombrero, un chapeau melon, un chapeau hélicoptère, un chapeau de cowboy, un haut de forme et une casquette à bière. Ça fait déjà beaucoup de chapeaux. Mais si vous voulez encore allonger la liste, vous le pouvez. Vous le marquez dans le chat et puis je le verrai. Ça va me faire déjà une belle liste quand je vais me pointer dans le magasin. Avec un peu de chance, je vais vous ramener pour pas trop cher avec la moitié des coffres. Mais bah oui, pour qu'on s'amuse, voilà, me faire porter le chapeau. De toute façon, je vous cache pas que le fait d'avoir le crâne neuf, c'est pas ce qu'il y a de plus, on va dire, esthétique. Donc autant que je me coiffe d'un truc qui me fasse marrer, et puis moi qui me tienne chaud. Hein. Enfin là, je parle pour l'hiver, mais. Voilà. Rendre l'utile à l'agréable. Je sais plus, on est au début de l'épreuve ou on est à la fin? Parce que je papote avec vous avec grand plaisir, mais du coup je sais même plus si on est à la fin de l'épreuve ou pas. Non, on est en pleine épreuve, je reconnais les pots en béton. Il y a encore un tiers de la course. C'est vrai qu'elle est longue cette course en Espagne, elle est endurante. Que dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réfléchis à des possibles changements qu'il pourrait y avoir dans les prochaines semaines. Pour pouvoir large, prochaine semaine sur la chaîne, mais nous j'en ai pas en tête. Je n'aurais cesse de vous remercier déjà pour votre présence, mais aussi pour vos conseils, vos critiques hein, par rapport à l'habillage de la scène de la chaîne et aux événements quoi, qui s'y passent. Oui, bah vous savez, je suis spontané. Gênez, vous cachez rien. Oh, ce virage, il est beau. Mais il est bien aménagé. C'est classe. Bonjour Chris, j'espère que tu vas bien. Oh, t'as mal dormi, merde. Ah bah oui, je comprends que tu interagisses pas. Merci d'avoir quand même regroupé tes forces pour interagir et laisser un petit message de coucou. Bah oui, bisous. Eh ben, j'espère que t'es de repos aujourd'hui, Chris. Oh là là. Ah, c'est terrible ça de mal dormir. Eh ben. Ouch. Oula. Et l'écran noir, j'étais un peu bizarre avec le décor. Et puis... Ouais, ça va, t'es de repos aujourd'hui, Zer. Ouais. C'est cool. Parce que là, t'as enchaîné deux journées pleines de taf. Et le vendredi samedi. Et cool. Et puis voilà, cet après-midi, donc prise d'antenne sur Minecraft. Donc en fait, j'en ai pas plein de choses à faire. Oui, Minecraft qui va devenir en fait une quasi-habitude, j'ai envie de dire. Je sais pas encore si c'est samedi ou dimanche. Peut-être le dimanche pour être relax, pépère. Avant que je me lance sur ma propre chaîne Twitch, le dimanche suivant, je me consacrerai à du Minecraft pénard que pousse. Donc, franchement, ça me permet de me déconnecter de la réalité et de me relaxer zen. Quoi. Comment j'ai défoncé l'arrivée? Affolant.
Ouais. Il faut. Entre midi et deux, là, il faut que je relance le serveur, que je retrouve mes codes aussi. Parce que je les connais pas par cœur, mes codes. On va mettre ça sur le compte de l'expérience. C'est bien dit, le coup du compte de l'expérience, pour pas froisser le pilote. C'est mieux que la formule tu as été lamentable, là. Je sais plus quel terme il avait employé. Oh la vache, le mec quasiment insultant. Allez, l'Allemagne, on va essayer de se défendre. Alors, la C2, la Clio. Attendez. Oh, allez, on va essayer la Clio. Allez, 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 allez. Je vais essayer la Clio. Déjà 50 courses? Wouh, je redis moins, tiens. Au pifomètre. Alors, vous avez entendu les gens des dimanches sont réservés à Minecraft. Ouais, en partie. Ou alors, je pourrais faire éventuellement le jeu, vous l'avez vu, qui prend énormément de temps. Qui est énormément chronophage, mais j'avais prévenu, qui est Project Zomboid. À mon avis, les week-ends, on va alterner sur les deux là. Mais il y aura plus de Minecraft. Surtout si il y a des gens qui sont intéressés à rejoindre mon serveur et qui veulent jouer avec moi. Là, ça va me motiver à jouer davantage. Magnifique cette épreuve. Magnifique. 100, droite 6. On descend de la montagne, on traverse un 80, village gauche 6 et droite 6. et on finit au pied d'un plan d'eau. Merde. 80, droite 5, gauche 4. Très mauvais coup de volant. Donc je te lirai après l'épreuve. Ah, je le vois pas arriver le virage là, c'est dingue. C'est la deuxième fois que je me viens de celui-là. Alors qu'il a le fond tapissé de, qu'on appelle ça, de panneaux publicitaires. Hein. J'arrive pas à le voir, c'est dingue. Dérapage incontrôlé. Oula, je vois que ça écrit. Et arrière.
Non, je suis pas dernier, Tu ça feras mieux la va. prochaine fois. Alors, que je te dise, vous du. Alors, perso Minecraft, j'ai jamais joué, ça me dit rien. Après, si ta façon de jouer arrive à me convaincre, pourquoi pas? Ouais, on verra. Il y a peut-être aussi l'effet communautaire qui pourra peut-être te séduire, c'est-à-dire que si tu vois que je suis avec des joueurs qui sont vraiment bienveillants, et puis dont le propos au niveau de la discussion t'intéressera, parce que quand je jouerai à Minecraft sur serveur, j'ai déjà une branche de mon Discord qui est comment dire, pour le papotage audio dédié au jeu Minecraft au moment où on joue. Donc j'émettrai ce signal-là sur mon direct. Et ça va peut-être entre guillemets te happer, tu vas peut-être avoir envie de joindre le groupe pour voilà, papoter. On verra. Mais c'est sous cette forme-là, si tu veux, que je risquerai probablement d'émettre. Alors pas forcément le matin avec, mais le dimanche après-midi, je crois que je peux pouvoir affirmer un dimanche après-midi sur deux, ce serait du Minecraft. Il y a des jeux qui m'intéressent absolument pas. Genre Fortnite, Minecraft, Animal Crossing, mais sont d'excellents jeux, j'en doute pas. Mais l'univers, j'accroche pas. Ouais, non, mais je comprends parfaitement. En fait, les jeux de gestion, tout ça en général, ça me dit rien. Oh ouais, ok. Et les jeux avec interaction du public. Projet Zomboid, il faut que je. Hein? Une pub pour les îles. Ah, j'avais pas fait gaffe! J'étais sponsorisé Martinique. Putain, ça me fait rigoler. Les interactions avec le public. Il faut déjà que je regarde avec Projet Zomboid. Il y a Wisebot, donc le robot dont je loue les services là. Il y a moyen de programmer avec des points de chaîne, vous, public, vous pourriez interagir sur ma partie en temps réel. Me rajouter une horde de zombies ou générer des événements comme la météo, par exemple, dans ma partie en cours. Ce qui peut être très amusant. Idem avec Minecraft. Je sais que c'est techniquement possible, même si sous Wisebot, il n'y a pas encore d'interaction prévue avec ce jeu. Je sais que d'un point de vue du côté de Twitch, on peut programmer quelque chose. Mais là, c'est quasiment du haut niveau. C'est plus du technicien, là, c'est de l'ingénierie. Mais, parce qu'il faut rentrer des lignes de code, faire de la programmation. Mais, c'est pas impossible. Ça arrivera pas rapidement, ça. Parce que, il va falloir encore taffer, bosser dessus, étudier le sujet. Mais, ça pourrait arriver. Dans les mois à venir. J'ai conscience que ça existe. Et si je peux vous le mettre en place. Et si je maîtrise l'outil, j'hésiterai pas. C'est toujours ça de plus, c'est le boulot. Et voilà, week-end après week-end, diffusion après diffusion, j'échangerai avec vous, directement. Je retiens, il y a ça, j'ai tel problème technique, ça risque d'arriver, ça c'est nouveau. Voilà. Oui, petit à petit. Alors, comment dire, oui, avec du je bosserai pas autant qu'avant. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment, j'ai envie de dire sacrifié, enfin le terme est fort, j'avais engagé la majorité de mon temps libre ces derniers mois à la chaîne Twitch, dont la conception des tableaux mystères. Heureux, Olive. Mince, le ralenti est fini. Le tableau mystère, ça demande du temps à concevoir. Mais c'est génial, je suis ravi que. Surtout là, tu as une scène qui en devient accro, tout comme mon foufou, ça me fait marrer. Reste, mais pas tout à fait. Recommence. Là, il y aura du temps libre que, entre guillemets, je prendrai vraiment pour moi, et de toute façon, que je vais investir dans d'autres obligations personnelles. Donc, honnêtement, je pourrais plus. Mais voilà, au fur et à mesure des saisons, des périodes. Je vous dirai si je suis dispo ou pas pour tel ou tel truc. On verra. Mais je suis confiant, je suis relax. Là, je vais un peu me. Allez, Royaume-Uni maintenant. On enchaîne tous les rallyes. Je suis confiant pour. Sur l'avenir et.
le fait d'apprécier le boulot que j'ai fait les mois précédents, de l'apprécier maintenant. D'où le fait d'être sorti de ma phase dite bêta au 1er janvier. Là, ma chaîne est quasiment dans l'état tel que je la rêvais. C'est génial. J'ai plus qu'à en gros allumer le bouton, clic, et je suis avec vous. Waouh, ça fait un bien fou. C'est extraordinaire. Je fais le plein d'ondes positives avec vous. C'est vraiment un rallye rapide, c'est assez surprenant pour la Grande-Bretagne. Cette descente. Oh bah, j'aurais giclé dans la pépinière. Bravo. C'est le pire que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Même là, ce virage-là, il est traître. Oh là 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 là, dur. Tu feras mieux la prochaine fois. Oh, je me suis défendu. Tu me demandes juste mon arrière du crâne, hein. Bien malgré mon. D'accord. Tu fais comme tu le sens, SDR, y a pas de souci. Je te répondrai avec grand plaisir.
probable d'ailleurs que tes questions suggèrent des idées que j'ai pas forcément là en tête. Je reste toujours friand des interactions avec vous. Je repense à l'inauguration du 1er janvier là, avec le tableau mystère, avec le foutoir du son qui se déclenche à chaque fois que quelqu'un donne une réponse. C'est vrai qu'avec le recul, ça pouvait pas durer. Ça pouvait pas durer. En fait, j'avais pensé en petit comité le jeu. Mais même déjà. Ouais. Déjà à moins de 10, d'entendre le bruit avion de chasse, le. Toutes les 30 secondes, ça rend dingue. Non, c'est très bien dans la version actuelle. Mais je serais pas à l'abri de commettre ce genre d'impair, on va dire, de bévue à l'avenir. S'il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, il y en aura. Mais puis que dans la semaine suivante, je corrige tout le bazar, c'est tout moi. C'est un truc en fait que j'aurais mal pensé, ou que j'aurais mal appliqué, mal mis en place. Et il faudrait me laisser le temps de corriger ma copie, quoi. Donc tout à chacun. Oui, c'est ça. Normal, ça arrive. Mais c'est vrai que c'était particulièrement maladroit et saoulant. C'est ça. Un moment vécu et une expérience potentiellement enrichissante. Bon, je pense que les prochaines étapes, ce sera autre chose que du rallye là. Je sais de varier un peu les goûts de plaisir. Oh, le gadin dans la pépinière. Oh là 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 là. Bonjour Fanfan. Alors, comment ça va en ce dimanche matin, au lendemain de ton bilan de la saison précédente? Tu as réussi de jolies choses. Je suis sûr que ça irait mieux avec un autre essai. Ça va? C'est bien. On a Chris qui est avec nous, qui se fait discret là, qui n'interviendra plus dans le chat parce que le pauvre a mal dormi. Donc le concernant, il est pas trac. Ah, le reste c'est des rallyes. Hein. J'ai débloqué des trucs. Ah non, pas niveau 4. Non. Ça, j'ai pas encore fait la course de côte, mais je crois que j'ai pas le pognon pour acheter la voiture. C'est ça? C'est ça. Ah ouais, ils sont un petit peu chers les bolides. Un petit demi-million d'euros. Ça va, tranquille. Ah, je peux me refaire un rallye raid que j'ai pas encore gagné. Super spécial, hein, c'est encore autre chose. Un rallye classique, hein, c'est avec les vieux modèles. Attendez, je vous ai promis de varier un peu. Vas-y voir le rallye raid. Enfin, le rallye raid, non, le super spécial. En Allemagne. Ah oui, en deux manches. Et j'avais quoi? J'avais la Stratos, je crois, non? Ah non, c'est pas celui-là. C'en est encore un autre. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est la Subaru. Je l'ai pas reconnu avec les décalcomanies. Et la Peugeot 307. Wow. À un demi-million d'euros. Ok, tout va bien. Non, je vais essayer d'économiser mes sous pour... mince, j'ai pas regardé le tracé. D'économiser mes sous pour acheter le super bolide de course de côte, là. Mais un demi-million, ça tombe pas comme ça dans l'escarcelle en fermant les yeux.
Oui, bien dit, belle formule, Olive. Force et courage à ceux qui n'ont pas la patate. Ouais. Ouais. Reposez-vous, ressourcez-vous. Oula, dérapage incontrôlé pour ma part. Pas la bête. Ah bah j'ai perdu, je ferai pas la deuxième manche. 3 secondes de retard. Mouais! J'ai pas pu pulvériser la bagnole. Non mais j'ai été plus que brouillon là, c'était mal. J'ai pu le. J'arrive plus à la maîtriser celle-là, je l'ai plus en tête. Ça aurait été la Peugeot à mon avis ou la Clio, j'aurais pu prétendre la victoire, mais là non. Oh, la restitution du son est excellente. Hein. L'effet tunnel. Hein. Je m'entends dans mes oreilles. Alors, hier soir, j'ai voulu essayer ma PS3. Effectivement, le lecteur DVD, il est mort. Ah merde! Ah merde! Ah, ça craint du boudin. Ça veut dire que ça flingue. Ça flingue toute ta bibliothèque PS3. Il n'y a, a rien qui émule la PS3 actuellement, non? Je me trompe. Ou la PS4 le fait, je sais plus. Ah merde. Là, quand tu dis ça, ça me fait peur. Il faut que je prenne soin de ma PS3. Parce que autant la PS2, j'ai la chance d'en avoir 3 exemplaires. Je suis confiant pour vous diffuser pendant des années de la PS2. Mais la PS3, j'en ai qu'une seule. Donc, faut pas qu'elle me lâche. T'as quelques jeux des maths, mais c'est tout. Bon, ça va, la perte est pas énorme. Mais ouais, ça fait suer, quoi. C'est intéressant parce que il dit que j'ai 100 000 € rien qu'en participant. Donc si je veux engranger des sous, il faut que je fasse celle-là à la suite. Allez, il y a quoi? Il y a le rallye raid et il y a le classique. Le rallye raid, j'essaierai bien de le gagner. Je vais essayer de voir s'il y a une boutique spécialisée jeux vidéo qui peut le remplacer. Je te cache pas mon pessimisme. J'en doute. Enfin, c'est bien d'essayer, hein, mais j'en doute. Pardon. Elle me rappelle l'époque de la PS1 et aussi de la PS2, je crois, mais surtout la PS1. La version où on pouvait officieusement la tipiaquer en faisant de la soudure dans le circuit pour qu'il n'y ait plus de protection, jeu protégé. C'était une époque particulière. 150, gauche 5, se resserre 4. Ouais, croisé de l'or. Oh! Et droite 4.
premier. Comment s'imposer? Ah, si je roule dans les mauvaises bosses, ça va pas le faire. Waouh. Là, je crois qu'il y a qu'un tour, donc je peux pas vraiment. Je peux pas entre guillemets patienter. Il faut que je sois assez incisif. Savoir quand accélérer, quand décélérer, voire freiner. Pas de part. Ah oui, prendre bien point de cœur, je l'aurais pas. Oula, je prends de large. Aïe aïe aïe. Vache, ou vache, ou vache. Il aurait pu me doubler, mais je suis tellement secoué que je peux pas garder une trajectoire honnête. Hop, pas possible. Oui, au freinage. Wow. C'était chaud. Maintenant, il faut que je garde mon avantage, et ça, c'est pas garanti. Oh là là, oh là là. Je suis secoué, mais alors dans le camion, quelque chose de bien. On le voit à l'image. Hein. Oh. Je pensais pas que j'allais merder mon freinage à cause des tressauts. J'avais plus d'adhérence. On y croit, on y croit. Je crois que c'est bon. Wouh! Mazette! Ah ouais, mais c'était... Waouh! J'ai battu Voltaire, je crois. J'ai vu dans les noms. Ça m'a fait... Ça m'a amusé quand j'ai vu. Alors, je vous dis dans la conversation... Ah oui, très bonne question, fan fan. Le coût du chauffage, lui, ouais. Je note de finir les histoires sur les lits du sage et de passer sur les lits. Alors, ben, c'est en cours, j'attends des nouvelles, j'espère un changement concret. Pour l'instant, j'utilise toujours mon insert dans la sonde, décode toujours. Oh là là, bah là, c'est dimanche, donc ça l'a fait mal, mais il faut absolument que dans le courant de la semaine qui arrive, Olive, tu te t'es à nouveau un peu opérationnel. Surtout que je crois que le froid va se renforcer en France cette semaine. Donc ouais, il faut absolument que ça bouge là. Ouais, courage Olive. Après une fois de temps en temps, tu peux toujours dire. Comme ton son, c'est ça. Oh, les images sont belles. C'est un pareil gars. Oh, la danse des camions, le cortège de wow. Il y a des plans de caméra qui valent le coup. Bon, on voit les forces physiques qui sont mises en jeu, c'est impressionnant. Mmh.
suis en train de me dire, ce genre d'épreuve, ça doit être un très bon exercice pour certains militaires. Réussir à maîtriser leur engin dans des conditions extrêmes, avec l'urgence en plus. C'est tout bête, mais sans déconner, les militaires, je pense qu'ils auraient tout à gagner à maîtriser ce genre d'engin. Enfin, je sais que les militaires, c'est plus des engins sur chenille, mais encore que rien ne leur empêche d'organiser ce genre d'événement. Mais waouh. Bon, après, c'est sûr qu'il y a le coût de l'entretien, d'usure des appareils. C'est pas rien. Hein. C'est un sacré budget. Ouais, c'est un peu idiot ce que je dis, parce que surtout que le budget des armées n'est pas top top. Tous les militaires vous le diront. Donc, il vaut mieux préserver au mieux le matériel pour les vraies interventions. Mais bon. Ou alors sur simulateur. Tout simplement, voilà. Sur simulateur, il faudrait que les militaires s'exercent à ça. Ils auraient le beurre et l'argent du beurre avant de la première. Aucun inconvénient, que des avantages. Gagner en expérience à maîtriser leur bolide, leurs engins. Alors, j'ai une capacité, ce que je suis capable de me remettre en question. Oui, mais c'est bien. C'est sain d'esprit. Oui, j'ai battu Voltaire. C'était encore un duel franco-français. Mazette. Voici une invitation pour participer à une nouvelle course. Ah! Mets-toi au volant. Yeah! Ça bouge! Ça bouge, ça bouge, ça bouge! Ouh, ça a l'air un truc de buggy américain là, j'ai cru voir. Du badja, ou du baga, je sais plus comment on prononce. Vas-y voir, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Bon, allez, on se lance. C'est quoi le tracé? On aurait dit. Oh! Oh, il faut dépenser du fric! J'ai des bullies. Alors, je suis plus intéressé, pardon, par la première course de côte, mais est-ce que j'ai le fric pour acheter le bolide? Ah oui! Ça y est, j'ai le pognon! Ah, c'est carrément les camions, quoi. Ah bah celui-là il a l'air d'être bien. Ah j'ai pas cette thune. Merde! Ah la vache. Ah celui-là il a l'air d'être top 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 le... Ah j'ai pas assez de thune. Ah c'est terrible. Il faudrait que je remporte une autre épreuve. Allez, rallye classique. Ah mince. Dur dur dur. Ah, ma Toyota Celica. Oh, ça va être bien. Alors attends, pause, Australie. Quoi? Non, pas réparation des dégâts, je me suis planté. L'étape. C'est quoi le tracé? Moyenne, ouais. Presque 6 bornes. Météo, cool, clémente. Ok. Bon, bah c'est parti pour l'Australie. Alors que je vous lise le temps de chargement. Hier et avant-hier, j'arrêtais pas de dire il me manque SDR, je me sens seul. Ouais, bah oui, ouais. Douceur et efficacité tout du long, carrément. Wouh! T'as pas le droit à la sortie de piste. Par contre, le bois est magnifique. Vers gauche 4, se resserre vers droite 4, plonge sur crête. Vers gauche 4, vers droite 3, gauche 3. 150. Longue gauche 6, vers droite 5 et gauche 5 sur crête. 60, gauche 5. 40, longue droite 4, vers gauche 5. 40 gauche 5, 40 droite 5. 80 gauche 3. 40 crête et droite 6 se resserre 4.
Oh, hop, hop, j'ai tapé de l'arrière-train une manche. Mais la grosse manche, quoi. Si vous avez des idées de chapeaux, hein, je relance encore une dernière fois. Enfin, je le ferai encore brièvement cet après-midi sur Minecraft. Dixième, c'est bien pour la participation. Mais oui. Mais terrible hein, le rallye là. C'est que du bois, donc pas le droit aux écarts. Si ça tape, c'est mort. La preuve là, on va voir le coup de ma branche. Je me suis pris dans la tronche. Qu'est-ce que je veux dire voilà, j'ai quasiment mon chapeau qui me tombe un peu trop sur le devant du pan. Les chapeaux, je devrais pas être tout à l'heure. Oui, l'Australie. L'Australie, j'avais un ami qui avait fait un voyage là-bas. Et ce qui est impressionnant, alors là c'est sympa d'avoir un bois entre guillemets classique. Il y a des étendues désertiques, ils ont différents types de déserts en fait en Australie. C'est une succession de déserts en fait, ces petits continents. Et il y a les termitières. Les termitières sont impressionnantes, c'est-à-dire qu'elles sont plus grandes que des hommes. Elles font 2, 3, voire 4 mètres de haut pour les plus grosses. Et vous voyez un, comme une espèce de monolithe ou stalactite, enfin stalagmite qui monte, stalagmite géante. Mais c'est des grosses termites en fait, d'espèces australiennes, qui font leur habitat en plein désert et ça donne des structures dingues. Il m'avait montré des photos, c'était à Capriso. La nature est extraordinaire. Alors, que je vous dise. Ok. Ouais, beaucoup de chapeaux. Non, mais t'inquiète, la frappe du dessus, ça ressemble à un lapin, beaucoup de la plus précision. Si tu veux que je te pousse à bout, certaines personnes, car ils me disent stop avant, en fait, pour eux, c'est fini, pas de nouvelles chances. Ce type de comportement me sert à faire la rencontre avec une autre personne. Oh là, oui, j'ai bien tapé là en plus. J'ai une douleur aux deux orteils de pied, je ne comprends pas pourquoi. Bizarre.
Comment que je suis en train de faire l'élagage du bord de la route là? Ok, tout sûr. Alors, si vraiment je peux pas réparer le lecteur DVD de la PS3, bah je vais acheter une nouvelle PS3. Après, il faut voir les prix. Là, j'ai pas conscience des prix sur le marché, donc je sais même pas si on en vend plus des neuves. Hein. C'est une de casse maintenant. Elle est obsolète maintenant la PS3. J'espère que tu t'en tires à bon prix. Méfie-toi de la crise des composants. Ça peut faire flamber la facture sur certains matos électroniques. C'est vrai que Rakuten, j'en ai vu des pas chers. Qui à 100 euros quand même. Oui, bah c'est correct. Hein. Quand tu prends le prix d'origine de la PS3, 100 euros, c'est correct. C'est au prix, je crois, sans déconner, que j'avais acheté pièce, mais PS2. Moi aussi, il faudrait peut-être que je regarde finalement, maintenant que tu me parles d'achat de PS3, peut-être que j'en achète une de case de secours. Si ma première devait me lâcher, moi j'aurais gros à perdre au niveau de mon catalogue. Par rapport à la diffusion et moi le plaisir de jouer quoi. C'est vrai que de pas avoir de roue de secours, ça me met mal à l'aise. Bon bah je vais refaire bêtement la super spéciale parce que même si je perds j'ai de la thune, je vais pas cracher dans la soupe parce que si ça me permet d'acheter le camion que je souhaite pour faire la course de côte. Ça va y avoir de la nouveauté là, ce serait cool. Et sinon, bis repetita, je retourne sur les rallyes des niveaux inférieurs pour essayer de scorer là où j'ai pas encore de podium. Je ne vois que ça. Attendez, pardon, je retire mon pull parce que. Ah, pardon. Faut que je la maîtrise la bête. Merde. Ah, c'est le tunnel qui me porte préjudice. Bah non, j'ai encore perdu. Je me suis amélioré, mais j'ai encore perdu. Le tunnel, j'arrive pas à le passer proprement. C'est cream du building. C'est un peu comme une insert, si on peut pas remplacer la sonde, bah on est quitte pour acheter un nouveau poêle. Ouais, bonjour la facture, quoi. Olive, dur. Pareil, enfin, je vais faire un bis repetita, c'est-à-dire qu'il faut pas hésiter. Alors, c'est du temps investi, Olive, à chercher l'info. Éventuellement, si tu es intéressé, que j'essaye de t'aider à trouver l'info, je veux bien. À voir si tu peux, s'il existe des aides au financement. Je pense que oui, quand même, parce que c'est pas rien. Ça fait partie de ce qu'on appelle la précarité énergétique. C'est-à-dire que tu es en droit, évidemment, de rester en pleine santé et chauffer chez toi. Bref, d'avoir une aide au financement de ton poêle, j'ai envie de dire oui. En plus, c'est, comment dire, c'est moderne, c'est dans l'air du temps, c'est économique. Enfin, bref. Voilà, que tu payes pas plein pot, quoi. Fasse valoir des droits dont tu n'es même pas conscient peut-être que qu'ils existent quoi et que tu es en droit de revendiquer. Bref, fais le fan.
Ça m'en embête un peu d'avoir une PS3 pour le dématérialisé et une autre pour le physique. Ouais. On fait avec. Allez, je vais pouvoir acheter le camion. Il va me redonner 100 000 euros, je crois. Dommage, tu viens de rater la seconde place. Ça ira mieux la ah prochaine non. fois. 25 000. J'ai dit une bêtise. Et du coup, je peux acheter le camion ou pas? Parce que du coup, je sais pas combien j'ai en sous-sous dans ma carrière là de pilote. Là, je peux? Ah non, toujours pas. Et donc là, il faut acheter le bully aussi. Ça m'arrange pas. Radis Japon. Il y a le Royaume-Uni. Il y a l'Espagne. Il y a l'Allemagne. Royaume-Uni. Je vous dis que Royaume-Uni, je peux le faire. Sans déconner, je peux le faire. Je vais essayer avec la Peugeot le Royaume-Uni. Prends le proprio en otage. Bah, il y a l'idée de. Il y a le cadre légal, donc tu peux le contraindre à une obligation de résultat très rapide, que je sache. Parce que tu mets littéralement ta vie en danger en n'ayant pas de chauffage. Ouais, bisous Olive, pas de soucis, à plus, et puis bon direct à toi quand tu vas prendre l'antenne. On te rejoindra tout à l'heure, tu animeras ma pause déjeuner, j'aurai plaisir à faire le relais de chaîne. Bon jeu à toi Olive. Merde. Ah. Merde, j'ai pris trop large. Chut. 60, crête et gauche 3. 200. On a vu, mon chrono va être catastrophique. 40, gauche 6, 40, 25, vers gauche 5. Oh, 13ème, pas tant que ça. Mais je suis de la mouise. 40 gauche 6, 40 droite 5. 40 droite 2 sur crête. Ah, je perds le contrôle de la Peugeot. 40 gauche 5, 60 gauche 3. Ou alors faudra que j'essaye avec la berline japonaise 4 motrices. La Lancer Evolution. Droite 3. C'est pas la première fois qu'il me fait le coup.
bien considéré que j'ai trop coupé. Crête droite 5 et panneau long droite 4. Et gauche 4, 60 droite 3 vers bitume. Une fois sur deux, je le dégomme ce panneau. 150. Crête et gauche 6. 80. Gauche 6, gauche 5 vers droite 4. Voilà, là c'est le jeu. Là j'ai pilé là. Ça m'a plutôt réussi. 150. Droite 5. 100. Arrivée. Voilà, là au moins j'ai fait une arrivée correcte. Pour une fois que je termine l'étape là sans partir en tonneau ou dans le décor, c'est que j'apprends de mes erreurs là, c'est rassurant. Wouh! Alors, et je vais essayer la même épreuve, mais avec un autre véhicule. Et là, avec un peu de chance, je vais cartonner. Avec un peu de chance. Alors, en vrai, c'est Actorine Drogue. Ah, LSDN, oui, tu penses à LSD, c'est horrible. Oui, mais le pire, c'est que quelqu'un d'autre m'a fait la remarque déjà. Mais voilà, c'est le pseudo que je me suis choisi. C'est, voilà, c'est les 4 lettres en diminutif. Hein. Allez, merci pour les GG. Voilà, voilà. Oh mince, je mets un coup à mon décor. Alors que je m'étire. Oh là là, oh là là, oh là là. Vache. Là, je l'ai vraiment malmené la culture. Alors, il faut voir l'historique de la conversation pour comprendre le contexte. C'est pas simplement avec les initiales. Ah, j'ai loupé une partie, mince. J'ai pas remonté assez haut. Que j'arrive pas à retrouver l'information. C'est peut-être dans le logo, vous voulez dire ma tête de foufou quand j'étais plus jeune. Ouais, oh. Mais je rappelle le dessin de mon logo. Donc LSDN pour le sage de Nancy en contracté diminutif. Enfin, le rouge, bah, c'est ma couleur favorite, donc je l'ai mise en fond. Le message de FunFan 1992. SDR a dit genre ça fait 15 jours que je suis pas venu alors que ça en fait que 2. J'ai pas compris. Ça fait 15 jours que je suis pas venu alors que c'est en fait que 2. Ah, d'où ta réponse sous forme d'humour. Oh, d'accord. Oh là, j'avais pas du tout capté le truc. Pardon, ok, merci. Bref, le losange jaune est une bergamote. La monnaie de ma chaîne est le berga en diminutif, puisque bergamote en plus est une appellation contrôlée. J'ai pas le droit de faire usage du nom que je sache. Et puis même le diminutif est plus sympa de dire Berga, ça fait James. Avec la photo de ma tronche insérée en fondu dans la dite Berga, là, une photo de moi quand j'avais quoi? Quand j'avais vers la fin de la vingtaine ou de la, tout juste 30 ans peut-être. La photo assure 10 ans. Je crois que c'est la même photo lorsque vous voyez le petit encart, mes anecdotes là. Quand je dis quand j'étais plus jeune, je raconterais déjà des âneries. Je crois que c'est le même cliché. Ou du moins la même série de photos. Voilà, voilà. Vous savez tout, une nouvelle fois.
Alors, je retente l'épreuve avec la 4 roues motrices C'est encore un peu japonaise. dur pour toi. Il te faut essayer On va d'aller essayer de plus faire mieux que 14e. Surtout que là, j'ai le tracé mémorisé en tête. Je m'en voudrais de faire pire. C'est pas impossible. On va voir. Voilà. C'est là où, tac, je passe sur la Lancer Evolution. On va voir ce que ça va donner. Le summum étant évidemment de remporter l'étape. Ça veut dire que j'aurai des points pour déverrouiller d'autres épreuves. Et des sous-sous pour acheter le camion que je convoite pour la course de côte. Voilà. C'est pas comme si c'était un camion à 700 000 euros. Oh, rien que ça. Voilà, le truc à pas faire, mais elle se contrôle pas comme la Peugeot, c'est vraiment une voiture différente. 60 sur pont gauche 4, droite 3, gauche 4. C'est pas la même physique. 40, gauche 3, élan droite 2 s'ouvre sur crête. Elle patine quand je fais une reprise. Si je suis plus au plancher, elle me le reproche. 60, crête et On gauche entend 3. vombrir, et puis en fait elle adhère pas, elle patauge. C'est pas cool. J'ai un 200. problème de motricité. Droite 3 vers gauche 3. 40, gauche 6, 40. Moi je suis déjà hors délai. Vous allez voir, je vais faire pire qu'avec la Peugeot finalement. À mon 40, grand gauche 6, désarroi. 40, droite 5. 40, droite 2 sur crête. Oh là là, la pente l'a fait 4, déraper. 60, droite 3, vers bitume. Là, on est à la 150, limite. droite 3, gauche Là, ça 6. deviendra intéressant que je procède à des réglages de la voiture et que je la prenne 80, plus gauche 6, entre gauche guillemets, de 5, vers série. droite 4. 80, droite 4 et gauche 4 sur Là, crête. c'est idiot. Mais je lui demanderais d'avoir moins d'accélération. Ah, 12e. Tu feras mieux la prochaine fois. J'ai dû faire un poil mieux, je crois, non? Je sais plus. Ou j'étais 10e tout à l'heure avec la Peugeot, je sais plus.
C'est à peu près équivalent, mais elles sont vraiment différentes toutes les deux. Bon, c'est chaud. Petite absence. Vous la connaissez et vous la comprendrez à tout de suite. Veuillez excuser cette interruption de programme. Le sage doit soulager sa vessie. Il s'est donc précipité en chambre basse, aux toilettes si vous préférez. Émoticône souriant. Merci de bien vouloir patienter quelques instants, le sage reviendra rapidement. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Oui, j'ai entendu la tradition respectée. Mais c'est vrai que l'enchaînement est tellement marrant dans la musique. Je suis en train de me dire, on voit mon Winamp avec le titre que j'ai en pause qui défile dans mon interface juste en dessous de moi là. Mais ça correspond pas à la musique qu'on entend rock, hein. C'est la musique du jeu. Et c'est tout bête, il faudrait presque que je. Ça pourrait induire en erreur. Il n'y a pas moyen dans Winamp de rien afficher du tout, ou alors faut que je vide ma liste. Alors je mets un truc qui est mal titré, voilà 05. Ouais, bon, ça fait bizarre, mais bon, tant pis. Voilà. Non, c'est pas grave, mais bon. J'ai envie de dire que ça fait. Maladroitement une forme de malhonnêteté intellectuelle quoi. Celui qui connaît pas qui arrive, il associe à tort le nom de mon œuvre avec la musique qui est celle du jeu et d'un autre groupe. C'est encore un peu dur pour toi. Il te faut essayer un autre niveau. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Magnifique l'étape allemande. On y retourne. Elle est magnifique cette étape. Je n'y résiste pas.
Voilà, pour ceux qui étaient hier sur le direct de FunFan, là, avec le bilan, certains d'entre nous, surtout Edge Club, il a eu l'œil. On s'est rendu compte que Bombastos diffusait en dehors de ses heures habituelles. Et en fait, je lui avais envoyé un petit mot privé sur Discord où j'avais alerté de sa boulette, quoi. On voyait en fait sa pièce, il filmait sans voir sa pièce qui était plus éclairée. Il y avait un jeu de lumière par rapport à son logement. Et vous voyez qu'il y avait de la vie, quoi. Apparemment, c'est bien, il s'en est rendu compte vers minuit parce que c'est là où il m'a répondu en effet sur Discord. Là, je suis en train d'emboutir. Méchant. Et bref, il a dû couper, c'est bien, son signal vers minuit. Mais c'était intriguant, la boulette de sa part. Alors, je crois savoir comment il en est arrivé là, à l'incident là. Comme il a eu la gentillesse de faire un relais de chaîne lorsqu'il a rendu l'antenne hier, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'à mon tour j'ai rendu mon antenne et que j'ai passé la main à FunFan, lui de son côté, en fait, son logiciel de diffusion a été en train de continuer d'émettre. Il avait merdé le fait de couper la diffusion après le relais de chaîne, chose qu'il faut toujours faire manuellement quand vous êtes diffuseur. Donc son signal a repris le dessus sur sa page, bien malgré lui. Et de l'intérêt de bien vérifier dans son échelle de diffusion le fait d'arrêter de diffuser et d'arrêter d'enregistrer quand vous enregistrez en même temps sur votre ordi, ce que je fais moi, pour garder entre guillemets une copie de sauvegarde et pouvoir donc l'archiver et tout ça sur YouTube. C'est ce qui s'est passé pour pauvre Bombastos. Non, 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 non. Alors que j'avais de l'avance, je ne maîtrise plus ma Peugeot. Oh! Mais reviens sur la piste, je suis en train de me péter tout le vignoble. Oh, mais. Oh, c'est dommage, j'étais bien parti là. Les virages sont subtils et j'ai du mal à maîtriser la Peugeot en subtilité. Ou encore que je gagne de l'expérience avec la tuture. Oula, j'ai coupé là. Il me l'accorde, ça va, il est gentil. Là, j'ai coupé à travers l'arbre. J'ai faussé la direction, elle part sur la droite. Merde. Ah, à force de tout déboîter, je suis en train de refaire la voirie allemande là. J'ai chaud. Et long droite 5 s'ouvre. Centre, droite 5 et gauche 4. Oh, j'étais en tête et puis là. 60, gauche 3 et droite 4. La succession de gaffes, c'est mort. 200. Pont serre gauche, 40, droite 1. Oui, 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 la sortie avec le saut. Ah, c'est la partie le long du point d'eau. 150, gauche 6, droite 4, se resserre intérieur, gauche 3. Tout va bien. Ah, dommage. Tu feras mieux la prochaine fois. Ouais. Bonjour, Tunsen. J'espère que tu vas bien ce dimanche matin. T'es peut-être revenu de tes courses vu l'heure. Et merci pour la citation. Oh, 43! Wouah! Il faudra que je mette mon nez dans le tableau des citations la semaine prochaine. Voudoudou. Ah, mais j'ai eu autant de citations que ça en une semaine? J'en avais quoi? J'en avais une douzaine au début, avant l'inauguration de la chaîne. J'en suis déjà 43 grâce à toi, FunFan. Waouh, merci. Merci. Oh, le capot, là, ça vient de l'art conceptuel. Bon, mon cher Twinsen, t'auras remarqué en haut à droite le petit gadget qui va te faire plaisir dans l'interface. Un petit compte à rebours pour l'exhibition du tableau mystère du moment.
Tu vois que c'est tout à l'heure, vers 17h45, que je ferai le point sur le dit tableau mystère. Vous avez du bol, j'ai eu le temps de le programmer ce matin en fait, donc je me suis réveillé à 7h30. Voilà. Et je pense que je vais peaufiner d'ailleurs peut-être entre midi et deux. Je vais glisser un peu le chrono dans l'angle et rajouter juste au-dessus ou en dessous tableau mystère ou enfin il y a le logo. Je pense que je vais faire une annotation textuelle. Pour faire un truc bien classe. Je fais une blonde. Mais l'essentiel y est déjà. Oh la vache, on voit que j'ai tracé tout droit. Voilà, je déboîte tout le vignoble. Merci, Fonfan. Bien joué. Et là, j'ai failli percuter le panneau publicitaire. Ça aurait pu très mal se terminer. À mon avis, mon étape aurait pu s'arrêter là. Net. Dans quelle épreuve je pourrais performer de jolies choses. Je suis sûr que ça irait mieux avec un autre essai. C'est surtout que ça irait mieux si je faisais la première course de buggy américaine du tout début. J'avais pas gagné. J'étais deuxième, mais j'avais pas gagné. Si je la remporte, ça rapporte. Donc j'y retourne. Et en plus, c'est des courses très disputées. Donc vous, en tant que spectateur, vous allez vous régaler. Ça va être beaucoup plus agité que le rallye encore. Ça va jouer des coudes. Ouais, pour le moment, tu sèches une scène. Ouais. Il faudra que je vous cherche un petit indice pour ce soir au sujet de ce jeu. Je verrai entre midi et deux, je vais essayer de trouver un indice potable. Et puis je vous le donnerai le moment venu pour que vous puissiez me déposer vos réponses. Bah en fait toute la semaine à venir, puisque je prendrai mon rythme normal là. On se retrouvera que samedi matin. Pour la suivante. Merde, il m'a poussé l'autre. Oh là là. C'est très viril hein, comme course. C'est vraiment dans la pure tradition américaine.
bien Doom. Allez, je double par le dessus. Ça pourrait se faire sans déconner. Ah bah je suis sur le podium. Bon voilà, je suis troisième alors que ma meilleure position c'était second. Un jour je finirai bien par la gagner. Oui, ton chiffre préféré, oui, 11h. C'est bizarre. Pourquoi Wisebot t'as pas mis à jour comme fan? Ah, parce que t'as pas monté de niveau en fait. T'as engrangé des points fidélité obligatoirement, mais pas suffisamment pour monter de niveau. Du coup, ça m'intriguait. Je me dis, tiens, pourquoi je te vois pas dans la liste? Voilà pourquoi. on le verra pas ce matin, mon gros fan. Parce que l'affichage de niveau de fidélité, je sais plus si j'ai mis toutes les 2 heures, toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures. Je crois que c'est toutes les 4 heures. Donc tu le reverras que cet après-midi quand je vais à Minecraft. Oui, alors attends, je me suis mal exprimé. Quand tu dis, je croyais que l'affichage se faisait que si tu as monté d'un niveau. Comment dire? Il y a une fréquence d'affichage de ce message de niveau fidélité mise à jour. Lui, il est programmé pour se pointer toutes les 4 heures, je crois, sur mon antenne. Mais tu apparais dans cette dite liste uniquement si ton niveau est différent par rapport à au précédent affichage. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimé. Avec un peu plus de chance, tu finissais mieux classé. Ah, le rallye d'Australie, j'étais pas loin de le remporter. Oh là 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 là. Ça aussi ça paye bien. J'étais deuxième. Allez, on va se faire ça. Ah, avec la Stratos en plus. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Petit.
Oh, le bruit qu'elle fait, c'est dingue. Dérapage incontrôlé, et c'est comme ça que je vais prendre. Que je vais me louper plutôt. Ah non, ouais, je dis bah ouais. Si elle marche, mais en fait merci d'ailleurs, je vais reboire un coup comme tu dis si bien. Si elle marche, c'est juste qu'elle fait pas partie du retour vidéo, mais moi dans mon interface j'ai bien vu, j'ai une ligne spéciale bleue qui me dit que tu m'as entre guillemets acheté le hydratel sage. Oui, merci, je bois un coup. Oui, j'ai une voix un peu rauque là. Non, rassure-toi, ça marche. Regarde. Si je peux te montrer rapidement, t'en voir. Pardon pour ceux qui voulaient voir le ralenti, mais vous allez voir un peu la technique. Voilà, capture d'écran. Mince. Il faudrait que vous écriviez plusieurs trucs. Attendez, pardon. Tu vois 11h07. Point, une scène Twitch en bleu, hydrater le sage, 50 points. Voilà. Je l'ai. Et il faut que je corrige la barre qui déborde. Parce que comme j'ai modifié des trucs pour le chrono tableau mystère. Car vu ma fortune en bergage, je dois bien en dépenser quelque part. Ah oui. Mais n'hésitez pas à économiser aussi pour acheter des gros trucs, quoi. Parce qu'il y a le coût du gage des patounes, là, je sais plus ce que je vous ai mis. Et là, évidemment, comme ça doit rester exceptionnel comme événement, ça coûte cher. Il faut que vous restiez longtemps en ma compagnie pour pouvoir revendiquer l'option. Allez, deuxième manche. Si je fais pas l'idiot, j'arrive à gagner le duel de l'ancien Stratos là. Oh, elle est pas endommagée, il n'y a pas de dégâts, je joue en facile. Je vais regarder, mais normalement j'ai tout, tout bien. Eh oui, j'ai tout bien. Là, il ne compte pas les dégâts. Le jeu est indulgent. Deux tonneaux, waouh, c'est déjà, ça fait déjà peur, deux tonneaux. Thank you.
l'a parfait comme je voulais. Oh vache, leur bond a brisé un truc. Oui, 22 centièmes, très disputé, magnifique la course. Mais c'est quoi qui s'est brisé? C'est mon pare-brise? Avec le rebond violent? L'amortisseur a pas fait son boulot? J'ai entendu un bris de glace, j'ai pas rêvé là au niveau du pont. Alors là, pour le coup, le ralenti va me captiver. Content, le pilotage était correct. Ouais, c'est beau. Ça va, même si j'ai pas eu les reprises, l'autorisation là des bonnes reprises, elle a un peu patiné la Stratos. Alors je rappelle, elle a un moteur Dino Ferrari. Hashtag Ferrari Dino. C'est pour ça qu'elle est légendaire. Ah ouais, ah ouais, mon pare-brise a pas supporté ma sortie de pont et le choc il s'est fralé et au second il s'est déboîté. Vache. Ah bah j'aurais pas cru. C'est bon ça. Bon, je vais la faire, ma course de côte, avec le camion que je souhaite. La part du gâteau, on est en vainqueur. Profite bien du moment. Ah ! Avec une coquette sonne comme celle-ci, j'y crois. Là, je retrouve tout mon enthousiasme. Je suis peut-être même déverrouillé une étape, non ? Je sais pas. Enfin, on verra plus tard. Ma course de côte, elle est où, là ? Celle que je convoite ? Non, mais elle est pas là, pardon. Oui. Pine Peaks. La célèbre côte américaine. Je veux le camion là. Oui, 70 000 euros. Non, comme ça, il est bien, Simpson. Alors, je pense pas que ce soit l'intégralité de Pike Pix dès le début. Mais quelle portion? Ouais, la partie courte A. Reste à savoir si c'est la partie haute ou si c'est la partie vallée avec le bois. Cyborg, quand même, j'en bavais. On va voir, je vais le découvrir avec vous. Je pense que si c'est la courte A, ça doit être en aval qu'on démarre. Donc on va se taper que la côte avec les bois. Et l'arrivée va être au sommet de Pike Peaks. Sachant que la deuxième partie se fait sur la... Je crois que c'est une mesa d'ailleurs. Espèce de plateau désertique. Et la deuxième partie est vertigineuse en plus. Comme on l'a vu dans le générique, ils le mettent en valeur. C'est exactement ça. Vous sortez, autant dire que vous mourrez, quoi. Parce que vous redescendez la montagne, mais pas comme souhaité. Surtout en camion. Ouais, tu m'étonnes. V'là l'engin de mort. C'est ça. On est vraiment à la base de la montagne. On est en aval là. On va traverser toute la forêt de conifères sur la côte.
tout le pan de montagne, on va se le copier sur 6 bornes. Et ça, c'est un tracé réel. C'est-à-dire que c'est mondialement connu, cette épreuve. Elle a été partiellement modélisée dans Gran Turismo, en plus, le grand simulateur japonais. Mais que partiellement, malheureusement. Alors que ce simulateur-là, que nous maquerait, peut se vanter d'avoir l'intégralité de l'épreuve. Merde, pardon. Faut maîtriser le bestiaux. J'aime bien le spoilier arrière du camion, c'est limite s'ils ont pas soudé un échafaudage sur le châssis. Merde. Ah, en vrai, ça aurait été terminé pour moi. C'est beau. Mon châssis, merde. Donc arrivé au sommet, donc c'est vraiment désertique, vous avez que de la roche et du sable. Bon, c'est assez impressionnant comme endroit. Merde, oh il a pas tourné. Ça c'est le châssis pété. C'est bateau. Là, sans déconner, c'est déjà pas facile de déraper avec le camion, hein, c'est pas fait pour. Mais là, je peux même plus. Il est devenu rigide comme s'il avait un manche à balai là où je pense, hein, pardon, mais l'idée elle est là. C'est-à-dire que je suis condamné à tracer tout droit. Alors, je suis sur le podium, c'est bien. Un podium, c'est toujours bon à prendre. Ouais, c'est sympa pour une première participation. Mais j'ai embouti un truc sur le bas de la route qui s'est encastré sous le camion et le châssis a cassé. Donc, il n'y a pas de secret. Hein. Mais sans déconner, c'est jouable. Il me demande même si je vais pas réessayer. Juste derrière, pas de ralenti là. Recommencer, à mon avis, je vous la fais proprement et je vous la remporte sans trop de difficultés. Ce qui serait tout bénéfique pour moi, ce qui me permettrait de recumuler des gains. Et d'acheter de buggy là, faire l'épreuve de buggy qui nous attend. Mais je me pose la question, si je vais recommencer, ben non, j'engendre pas les gains de la troisième place. Donc faut que je quitte l'épreuve pour avoir les gains de la troisième, pour me réengager et essayer de cumuler avec la première place. On va faire comme ça, c'est pas grave. En plus, il y a quelques secondes de chargement supplémentaire, mais c'est vraiment dans le sens de pas annuler mon gain acquis.
C'est ça qui a dû m'arracher le frein, le châssis. Le pire, c'est de se dire que ces engins de mort existent vraiment. C'est d'authentiques modèles de course. Et ça peut sembler farfelu, mais ce genre de discipline permet aux constructeurs automobiles, aux constructeurs automobiles d'améliorer leurs engins. Ils récoltent des données et l'imagerie, ça permet d'améliorer les modèles. Je me concentre bien à ma deuxième tentative et sans déconner, je peux la gagner. C'est pas difficile. Faut juste rester alerte et concentré. Il faut pas briser la concentration. Mais je sais plus qui c'est qui me disait récemment dans les jeux de course, tu peux entrer dans un état de transe, dans le sens où tu te désinhibes du stress, de la pression, de l'épreuve, en interagissant, en répondant à ton public. Et c'est vrai qu'à un moment j'ai eu un effet comme ça, où je me suis laissé surprendre de gagner la course relax et dedans le nez, tout en faisant la causette à vous tous. Tu apprends vite, c'était génial. Tu vas accéder à une autre épreuve. Ah, j'ai déjà débrouillé une autre épreuve. Mais, gourmand comme je suis, j'aimerais remporter la dite épreuve, là. Donc je me relance pour essayer d'avoir la première place et en plus de points et plus de sous-sous pour pouvoir racheter le dit buggy. On y croit. Avec un peu de chance, je vais faire l'épreuve des buggy pour midi avant de vous laisser pour la pause déjeuner. C'est possible. Allez, go. C'est jouable. Saut le plus long, presque 50 mètres. Waouh, 50 mètres, c'est énorme. Wow. Allez, concentration. Profite de la course, je vais t'encourager. Remarquez que j'ai pas de copilote, il n'y a pas de voix. Faut apprendre le tracé par cœur en fait. Comme c'est une classique faite chaque année. Message de FunFan 1992, la voiture on dirait un caddie de Golf XD. C'est pas faux. Plus qu'une voiture, c'est un camion. Enfin, la partie avant du camion. Voilà, ça c'est un peu abusé le matos. Mais le paysage est magnifique. Hein. Je vais avoir plaisir de voir le paysage en remettant mon ralenti de mission. Là. Vite, attention. Première faute. La future tuture de F1.
FunFun. J'ai le temps de lire là, comme c'était une grande ligne droite. Il y a une autre portion en ligne droite tout en haut là, bon, là qu'on verra pas parce que ça fait pas partie du tracé, mais la partie haute aussi, on peut souffler un coup, mais c'est bien, ça rythme bien l'épreuve. On les verra plus tard. Pas aujourd'hui malheureusement. Là encore, inspiration. Permet de marquer des pauses pour l'organisme. Voilà, par à coup, sans faire patiner, ça va. Je garde la motricité. Ah, message de FunFan1992, je te souhaite bon courage pendant une semaine, tu vas pas faire de stream, donc tu vas en avoir des propositions de tableau mystère par arrobase Twins and Twitch. Oui mais c'est fait pour. C'est pas grave, je vais reposer non. A mon avis, ce que je ferai d'ailleurs c'est bien que t'en parles, c'est que je lirai la veille, le vendredi soir, quand j'aurai fini ma semaine de boulot. Je lirai volontiers les propositions désormais des tableaux mystères le vendredi soir pour faire le point au niveau des points attribués, de qui a répondu quoi correctement pour le lendemain matin. Même le lendemain après-midi d'ailleurs, parce que je le ferai en fin de journée le tableau mystère. Oh, j'ai fait un temps stratosphérique! Tu as gagné cette épreuve! J'ai remporté avec 17 secondes d'avance, énorme! Waouh! Faut l'immortaliser ce ralenti là! J'ai presque fait un sans faute. J'ai un peu mordu un virage où j'ai patiné. Et à un moment, j'ai arraché du décor. Mais c'était pas loin. Merci pour le GG. Merci. Ouais, faire gaffe au jeu avec plusieurs titres possibles. C'est là où le coup du Moonbase et Lunar Commander. Tu vois, t'avais fait d'insister, hein, Twinsen. Mais c'est vrai que si en plus un même jeu change de nom en cours de développement ou de en changeant de version en plus, tu vois, je m'y attendais pas, donc je me répète, mais le coup du Moonbase que tu m'as sorti, que j'avais pas enregistré, parce que moi je l'avais sous Lunar Command, je l'ai rajouté dans mes réponses du tableau mystère pour la prochaine fois qui sortira, potentiellement l'année prochaine, puisque un tableau mystère ne peut pas sortir deux fois une même saison. Merci pour le clip. Voilà, là j'ai fait un peu large, j'ai dégommé le panneau de signalisation. Ça a été une première faute. Et j'ai eu la deuxième où j'ai un peu patiné en étant à l'intérieur du virage. Je débordais trop. Sinon, rien à redire. La démonstration était parfaite. Voilà, là c'était vraiment limite ligne rouge à pas franchir. Et on le voit, c'est un camion. Pas une voiture, là. Carrément. Mais de toute façon, la semaine à venir, je vais être content de retrouver mes habitudes de simple spectateur et plus de diffuseur. C'est agréable aussi. Il faut que j'aille flâner. Oui, camion cocotte. Je vais voir plein de monde. Je vais revoir. Bah là, tout à l'heure, je vais voir la pause déjeuner Olive. On va aller chez elle. Le temps de la pause déjeuner. Je vais revoir Christella. Et encore, là, je parle que de la jambe féminine. Il y a plein de copains garçons là que je vais revoir. Je vais revoir Aerostar, je vais revoir Nounours. Je vais revoir en tant que spectateur Chris aussi. J'aime bien voir Chris. Bonne. Cadeau Anthony. Oh là là, il y en a plein. Bah toi, forcément toi. C'est pas comme si j'étais ton modérateur, FunFan. C'est pour ça que je t'ai pas cité. C'est parce que ça coulait de source, c'était une évidence. Bien sûr. J'aurais pu te retrouver et puis apprendre mon rôle de commentateur dans 15 jours pour l'artiste des samedis commentaires.
Fun fan. Troll. C'est ça. Ouais, pareil, demain il faudra que je gère les dépôts sur le YouTube, toutes les vidéos que j'ai faites là, parce qu'il y en a une avalanche. À mon avis, vous en aurez pas mal quand je serai pas là, c'est-à-dire la semaine et le fameux week-end prochain. Je vais essayer entre guillemets de vous donner une compensation. Il est temps de passer à autre chose. Voyons ce qui suit. Ah, c'est cool. On va aller voir ces épreuves nouvelles là. Et voilà quoi, vous avez du contenu. Là, ça en manque pas. Hein. Les numéros vont se bousculer au portillon. Ah, je la ferai bien aussi, l'Australie. Quoi, crossover Japon? Ah, une super spéciale au Japon. Ça, c'est quoi? Du rallye en Italie, 2 étapes. Oh, on le fera après. Est-ce que je peux participer à la super spéciale japonaise? Oui ou non? Oui, eh ben allons-y. Alors c'est quoi ce tracé? Donc ça va être en 2 manches. Le Numata Race, ouais, je le connais pas, le circuit Numata. Alors là, il doit être vraiment exclusif au Rallycross. Il doit pas exister en version bitume, hein, parce que ça ne dit rien du tout. Oh, mais qu'est-ce que j'ai à avoir la voix enrouée, moi? Oula, on est en ville. Ça fait bizarre d'avoir les immeubles. Mince, je coupe là, ça va pas. Oula. Ma trajectoire était pas du tout réglée. Ah merci, je jette un coup d'œil sur ma tablette et là je vois un peu mon Discord. Je vois que t'as encore nourri ma avec qui. Merci FunFun. Donc première manche, j'ai envie de dire, j'ai emporté les doigts dans le nez parce que je découvrais et puis je suis pas mis notre passion. Ce qui va pas forcément être le cas dans la seconde manche. À mon avis là, ça va être beaucoup plus disputé. Oh là là. Alors ça a l'air d'être populaire au Japon, c'est les grandes roues. On avait une grande roue dans le décor. J'ai l'impression qu'il y en a un peu partout des grandes roues au Japon. Ça a l'air d'être une attraction populaire.
Alors, c'est quoi la finale? Ah bah, la même bagnole. Lancer Evolution, le duel. Ça va être disputé, il n'y a pas de doute. Un peu trop sèchement du tunnel. Attention, ça va me porter préjudice. Là, j'ai 10 secondes de retard. Ça sent pas bon. Je donne des. Coup de volant trop ample à la gâchette. Ouais, il a gagné. Il a gagné. Je suis obligé de m'incliner. C'est pas grave. Il a gagné la première manche, c'est tout bien. Oh là là, oh là là. Ouais, non, non, j'étais vraiment trop brouillon. Tiens, j'ai même eu l'impression que j'avais un truc qui pendouillait sous le châssis. Non, c'est la voiture en elle-même, en fait, est comme ça. D'accord. C'est pas propre ce que j'ai fait, ça va pas là. Pour une autre épreuve. Cool. C'est bon ça. Jamul Valley. Alors l'Italie m'intéresse. Oh, du rallye raid. Je peux pas résister. Je peux pas résister. J'adore le rallye raid. Ah. Ah bah c'est les fameux buggy de la dernière fois. Ah ouais, je peux acheter le celui-là, qui a l'air plus performant vu son prix. Et ben allons-y. Il y a des variantes de décalcomé. Oh, il est beau en flamme. De... Ah oui, oui, oui. Il a l'air vachement classe en flamme. Ça me fait presque penser au Hot World. Alors, c'est un nouveau tracé apparemment. Je le connais pas celui-là. Ah, je le connais pas du tout. Ouh, 4 sur 5 en difficulté. Oh!
la vallée Jamoul, eh ben, on déboule à la vallée Jamoul. Oh, pardon, j'ai donné un coup au micro. Tiens, je changeais de coiffe pour la dernière heure, enfin les dernières minutes de jeu. Je vais remettre mon sanglier. Ça. Soyons professionnels et gagnons cette course. Et gauche 4 sur crête et droite 4. Ah ouais, j'ai un copilote là. Ok. 100. Et gauche 4. Et droite 3 et droite 3. Merde. Ouh, faut maîtriser Billy. 40, gauche 2. Je vous dis, il va y avoir du dépassement par le dessus là. Vers droite 3 et crête et long crête. Ah, ah, je patine. Ah, c'est 150. Dur de reprendre le démarrage en côte. Crête 80, droite 2. Comment fracasser son bolide? Pas incontrôlé, bordel. 60, droite 4, vers gauche 1. Et droite 1. Et gauche 1. 150. Voilà. Ouais. Eh bien, ils sont accrochés, droite les deux. 1 et gauche 2. On arrange bien. Oh là là, tortueux. Oh là là, j'ai failli arracher mon train là. 100, gauche 3. Ça a failli se terminer là. 80, droite 1. Elle est vraiment technique cette descente. Vers gauche 2. 100.
gauche 4, droite 4. 60, gauche 3, vers droite 1. 2 vers droite 2 60 gauche 4 droite 3 gauche 3 et droite 4 et gauche 3 se resserre vers droite 2 gauche 2 150, droite 1. Ouh. 80, gauche 2. Et droite 2. 60, droite 4. Au sillon. 60, droite 4, vers gauche 1. Ah, si on peut appeler ça un sillon. Patine vite ce buggy, patine vite. 80 gauche 3, vers droite 3 et droite 2. 60 gauche 3 et droite 3 s'ouvre. 150. Crête, checkpoint, droite 5. Merde. Voilà. Heureusement que c'est solide. Pilotage fantastique. C'est gagné. Bah, j'aurais pu me cracher juste devant l'arrivée une fois de plus. Pas évident. Hein. La plus beau que l'effet de ne pas obtenir ce que vous désirez est parfois un magnifique chance d'aller mis la main. Ouais, c'est vrai. Dans certaines circonstances, c'est pas faux. Scène et tout là, il est parti faire ses courses. Ses courses du dimanche matin. Attendez. J'en reviens, hein. Vous en faites pas, bien évidemment, je vous abandonne pas. Mais je profite du ralenti. Voilà. Faire des manies.
Oui, qui est là? Tequila, tequila, tequila. Ouh là là, tequila. Para 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 para. Ouh là là. Para 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 para. Oui, qui est là? Tabara para. Para para para. Dum 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 dim. Ouh là là. Ouh là là, qui est là? C'est pas mal. C'est pas pour me déplaire. Et cet extrait long qui est issu d'une partie sous Oblivion, c'est l'extrait favori de Dragon Sky quand il passe sur la chaîne. Il aime bien celui-là. Wow! Alors là, je veux bien qu'ils me disent que le saut le plus long est de 50 mètres, là, effectivement. Message de FunFan 1992, j'ai peur que Twinson pendant ses courses. Il demande à acheter un tableau mystère XD. À savoir, il pense même peut-être au volant, ce qui est pas très prudent. Je l'en crois capable. Hein. Ah là là, je sais plus, c'est pas cette nuit, mais la nuit d'avant, il m'avait donné une réponse à 1h du mat. Bref. C'est moi ou je me suis arraché un phare à l'avant? Ah ouais. Bon bah c'est cool pour une première participation de remporter la mise, remporter la course, c'est cool. Oh la vache, il est déjà midi. Bah écoutez, ma dernière épreuve ce sera le rallye d'Italie en deux étapes. Et puis après, on ira voir l'adorable île. On découvrira les autres épreuves plus tard, en autre week-end. Peut-être dans 15 jours, 3 semaines, un mois, je sais pas. En gré de mes envies, on verra. Mais il est vrai que je commence à avoir faim. Ouais, donc à midi, il faut que je... Le plus important, il faut que je vous prépare le Minecraft de cet après-midi. Donc je relance le serveur de jeu, et de deux, que je me reconnecte à mon compte. Ça fait un mois que j'ai pas joué à Minecraft sans déconner. Ça me manque là. Ah oui, il n'y a que des Américains, hein, y a rien à faire. Niveau 4. Ça devient chaud, tu sens? Oh bah le prochain week-end va être beau. C'est cool. Ça va être le plaisir de la découverte la prochaine fois. Allez, l'Italie. On va finir sur l'Italie. Deux étapes. Oh là là. En Stratos. Sinon, c'était la spéciale Macrae. Ah ouais, la Ford Escort. Wow. En Stratos, l'Italie, la classe. 100% italien. Alors, première étape. Ouais, il disait difficulté moyenne. La longueur, elle est moyenne aussi. On est autour des 6 km à chaque fois. Oh. Bah, allons-y. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, zou. Wow. Comme dirait la chanson, faire une virée tous les deux en Italie. Et bah ben, c'est ce qu'on va faire. En deux étapes, on a compris.
Oh le massacre. La réception du saut, qu'est-ce qui s'est passé? Technique possible. 60 crête, droite 6. 60 crête, gauche 6. Ah, je vais être mon dernier. Bah oui, je suis mon dernier. Long droite 5 et long gauche 5. C'est sûr. Là, je mange mon pain, moi. Crête, droite 6 et long gauche 6.
suis avant-dernier. Je me suis rattrapé sur la fin. Donc à mon avis, il y a un concurrent qui a dû finir en sale état et qui a dû se traîner le dernier kilomètre. Je présume. Voilà, l'étape suivante et puis après, on ira voir Rémi. C'est bien, merci pour la transcription de la citation jeune femme. Excellent. Un truc, ouais. Oh, cette musique. Ouais, je le verrai dans l'édition des citations de Café Pas. Je serai nécessaire. Merci à toi. Chose, hein, tu sais, je vais virer les doublons, garder les, comme tu dis si bien, avec les parenthèses, lorsque la syntaxe est parfaite, corriger éventuellement 2-3 fautes d'orthographe, et puis voilà. Après, je sais pas si j'en supprimerai purement et simplement, à moins que si au moment de les relire, pour moi, en contexte, ça ne signifie rien, là, je serais tenté de les supprimer. Mais, je pense pas qu'il y en ait beaucoup sur la trentaine que tu as faite là durant cette semaine folle. Je vais peut-être en supprimer deux maxi, à mon avis, ça va être de ce niveau-là. Je t'en reparlerai, je te dirai ce que j'aurais dû, machin, peut-être pas. En hors antenne, je te ferai. Je te tiendrai au jus. Je pense que je te l'écrirai textuellement un message privé sur Discord. Rapidement de quelques collègues en disant tiens c'est là je peux pas regarder parce qu'on ne comprend pas en contexte, etc. Non. Voilà, j'ai pas compris pourquoi ma réception de sous a merdé et que j'ai fini accidenté. Là, j'ai pas capté. Le monde symboliquement te tient à cœur. Oui, au contour de cet instant. Comme tu avais fait un constat similaire hier dans ton bilan de saison sur je sais plus quel jeu, bah c'était ton favori qui était en deuxième position, le Max Payne. C'est bien, c'est rigolo. Allez, étape suivante.
Là, à mon avis, les dégâts risquent d'être pris en compte, donc je vais prendre cher. Message de FunFan 1992, le chiffre 11, il me suit partout dans nos campagnes XD. Ah, j'ai même pas le droit de réparation! Oh la merde! Je démarre cassé! La vache! Je démarre bousillé! Oh là là! Après, Kavos et Bosley, c'est vraiment une campagne. Eh, la campagne italienne. Quatre.
adversaire. Et arrivé. Eh bien, quelle étape. Tu feras mieux la prochaine fois. Oh, je suis défendu pour une découverte d'étape. C'est bien. Eh ben, je programme le raid chez Elise. Bon, je ne lance pas tout de suite parce que l'épreuve dure un petit moment, quelques minutes je crois. C'est pas simple. Histoire de profiter des belles images. Que dire? Bah merci à tous et tous. Pour nous ce matin, merci Fanfan pour l'amélioration et toute la gestion que tu as faite pour nous utiliser. Voilà, moi je vous dis rendez-vous tout à l'heure de 16h, n'importe quoi. De 14h à 18h pour du Minecraft, Peinard, Pépouze. Ce sera très bien pour achever cette semaine de joie et de bonne humeur partagée sur mon antenne. Ça donnera une idée de dimanche futur. Je terminerai sûrement les dimanches après-midi sur Minecraft. J'ai envie de vous dire une fois sur deux. Bon appétit, une nouvelle fois si vous êtes à table. On va pas tarder à aller voir Olive. 14h. Il n'y a que toi qui reprends à 13h, Fun Fan. Moi, je ne verrai jamais reprendre à 13h. 14h, moi. 14h, 2h de l'après-midi, si tu préfères. À 13h, je te cache pas que je suis à table en train de manger. Hein. C'est mon heure de déjeuner, donc tu ne verras pas à l'antenne. Je vais dire quoi d'autre que ce soir, je ferai grand plaisir le relais de chaîne à 18h chez l'ami Bombastos. Et c'est à ce moment-là que ça marquera pour moi la fin de cette semaine folle qui m'aura permis de faire le tableau positif. Encore merci à vous sur ce point-là. Le tableau mystère, vous avez le chronomètre en haut à droite, on va refaire le point d'ici 5h30. Donc il sera 17h45 à ce moment-là. Voilà, merci tout plein. Bon bah je crois que je peux valider le raid qui va se faire du coup en lançant la commande maintenant dans 90 secondes. On va basculer tout doucement chez l'adorable Lune qui fait je sais pas quoi. L'hésite entre Skyrim et je sais plus quel autre jeu que je connais pas. Et bah j'ai eu du bol de m'en sortir bien là dans le rallye avec l'ancien Stratos Busier. J'ai eu du bol. On va voir. Est-ce que je peux voir le chronomètre de lancement de raid? Je dois avoir un compte à rebours, non? Dans l'interface. Pas vraiment. Bah je garde sous la main le bouton lancer le raid maintenant si on est encore à l'antenne au moment de l'arrivée de l'étape. Au milieu du ralenti. Bon merci. J'espère n'avoir rien oublié. A tout à l'heure à 14h pour du Minecraft. Maintenant je crois que j'ai un son qui se déclenche quand on met la tête de creeper. Je sais plus. Elle est où la tête de creeper? Elle est là. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions de copies. Et le jeu favori du sage. Voilà, vous savez tout. Pareil, je me suis démerdé avec des tutos en fait sur certains trucs parce que je savais pas comment on faisait. Bye bye bon. Tout le monde sur YouTube, bisous, on entend Jolie. Et coucou le sage, j'ai vu que t'avais entamé un raid sur ma chaîne et merci à toi. Pardon, vous arrivez.